Bonjour tout le monde, c'est Inuti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Banon Good Evil. L'écran s'est un petit peu rapetissé entre deux, je sais pas pourquoi, je comprends pas. C'est n'importe quoi, bah enfin c'est pas grave. Okay. Appuie s'il te plaît. On va continuer un petit peu. Autant vous le dire tout de suite, je suis Mademoiselle crevé. Osiris, si vous n'avez pas d'autre choix, faufilez-vous dans le dos des gardes et frappez leurs bonbonnes de respiration. Elles ont un défaut. On se retrouve plus loin. Elles ont un défaut. Bon, à savoir. Appel à tous les patrouilles. Des intrus ont pénétré la fabrique. Restez sur vos gardes. Programme de chargement maintenu. Enfin, la tech est pas là. Alors, comme je disais. J'ai décroché. Comme je vous le disais, je suis crevé. J'ai pas dormi de la nuit. Comment je lisais mindfuck. Désolé les gens, j'ai pas parlé sur le coup. Et wow. Là, ils sont morts. Tantôt. Oh. Nice. D'accord. Ça c'est bon à savoir. Vraiment désolé les gens si je parle pas beaucoup, mais je suis tellement fatigué que c'est impossible. Conservez vos postes et restez en alerte. Interceptez et détruisez. Forcément, c'est à noter. Hein? J'ai vu un truc là-bas! J'y vais! Hein? Intrusion! Intrusion! Demande autorisation, nettoyage, zone. Reçu. Zone nettoyée. On va par là. On va aller voir ce qu'il y a par là. En fait, déjà, il y a beaucoup de rats. On va les prendre. Identification compte. Ok. Ok. Un Starkos. On va tout prendre. Votre énergie d'un cœur. Bon, on va prendre. Un Starkos. Oui, tais-toi, punaise. Ferme-la. Oh. Ok. Noté dans mes. Tu veux passer pour un monstre après? Il est en partie. What? Genre? Quelque chose par là? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté? Oh oh! Intéressant! Revenir en arrière, c'est bien. On rappelle même pas de passage. Voyez. Non, 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 non. Voilà. Passer par là, parce qu'il me semble qu'il y a un truc par là. Ça vient de là-bas! J'y vais! Alarme! Alarme! Putain, ma vie.
Ça c'est fait. Ah. Peut-être de nouvelles informations aussi. Merci pour toutes ces... Voilà. Ah oui, c'est vrai, on peut ouvrir, j'oublie ce détail. Les chaussures de Paige. Ouais, c'est chaud. Où est-ce qu'ils t'ont emmené ? C'est une bonne question, hein, fillette. Ok, y a-t-il la garde ? Mais tiens donc, les codes ! Intéressant. Plus tard, je pose. M-disque. Viens le regarder. Regardez les deux. Ah, déjà celui-là. On devait le regarder, c'est sûr. Jeanne, tu as hérité du courage et de la générosité de tes parents. Tu sais, je pense souvent à eux. C'était des amis très proches. Tu m'étonnes. Il y a 20 ans, nous avons été contraints de nous séparer parce que nous avions tous de gros problèmes avec les autorités. Tes parents t'ont confié à moi pour te sauver la vie. Nous avons débarqué sur Elis. À l'époque, c'était une planète pacifique. J'espérais pouvoir t'y élever à l'abri. Mais le conflit s'est généralisé. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose. Si j'ai pu venir ici avec toi, c'est grâce au Beluga, le vaisseau spatial que nous avions conçu. Ton père et moi. D'accord. Il existe encore. Mais j'ai pas tout à fait fini de le remettre d'aplomb. Tu trouveras le check-up sur mon bureau. Ouais. Le Beluga est chez nous. Il faut rentrer un code dans chacune des deux consoles pour ouvrir la planque. D'accord. Je peux pas t'en dire plus sur ce M-disque. Mais j'espère qu'il te sera utile si un jour tu dois te servir du Beluga. Quoi qu'il arrive... Bonne chance à toi, Jade. Oncle Paige. Il montre bien les chaussures, quoi. C'est triste! Putain, c'est triste! Bon, maintenant, caméra de surveillance. Lecture. Il est là. Déshabillé pour le conditionnement. Assassin ! Il est là. Il est dans une sorte de caisson. Mais pourquoi sa boîte à lui n'est pas fermée comme les autres ? C'est étrange ça. Affirmatif. Combinaison et chaussures. Tout est dans l'armoire. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, c'est rempli de du fric et compagnie. Intéressant. Très intéressant ça. Maintenant, base des alors, quelques années. Armée Ilienne. Manuel Carlson et Peter. Opus 23. Des détections et défense. Armée régulière. RO. Ressources organiques. Équipement armure laser proof. Casque performant. Section Alpha. Unité d'élite. RO, ressources organiques, équipement, armure laser proof, T-hammer, autonomie respiratoire, attention, faiblesse sur le réservoir dorsal. Ça, on le savait. Barrière électrique, 380 volts, D&D, détection et défense. Générateur autonome et amovible pour blocage des accès de taille réduite. Unité Cyclopéus, je crois. M39, D&D, détection et défense. Laser défensif, force 5,
blindage anti-choc. Attention, maintenir éloigné des champs électriques. Unité transport XB24. Détection et défense. Surveillance. Transport de petits objets. Blindage agi. Invulnérable en phase incandescente. Mine défensive. Détection et défense. Protection des accès aquatiques. Robot de surveillance. Détection et destruction. Sécurisation d'un périmètre. Tir offensif. B propulseur à gaz. Attention, faiblesse sur les bonbons de propulsion. Tourelle laser. Détection et défense. Laser offensif force 5. Tir en aveugle. Lanceur de torpille. Torpille à tête chercheuse. Coefficient d'inertie. D'accord. Caisson Asbar. Transport tout type d'organismes vivants, êtres humains, animaux, sous état léthargique contrôlé. Tourelle laser M5. Détection et défense. Détection. Et suivi altru. Laser offensive, force 5. Barrière alarme. Activable, désactivable. En cas d'alarme, inoffensive et inopérante sur les armures militaires. Barrière permanente, inoffensive et inopérante sur les armures militaires. Module de surveillance, sécurisation rapide de zone, activation sur autorisation radio. Drone détection, surveillance de périmètre, connexion radio avec lanceur de torpille. Voilà. Nous connaissons une bonne partie des armes. C'est pas mal. Maintenant, on va par là. Et on continue un petit peu. On finira clairement pas, hein. Il faut une clé spéciale. Je vais comprendre. Il manque une clé. Sachant qu'il fait partie de 2 ou 3 cœurs lui. Allez, dégage. Et c'est pas le seul, je vous le dis tout de suite. Il vient de se prendre à la gueule, lui. C'était violent. Je sais que je parle pas beaucoup dans mes épisodes aujourd'hui. Mais comprenez que je suis extrêmement fatigué. Il aurait pas eu envie de la nuit. Donc il faut bien. Si lui me voit. Ah. Allez, viens.
Allez, viens te battre. Bon. Allez, dégage. Il faut que je me fasse porter. Nickel. On arrive, on arrive. Bon. Sur cet épisode, il est clair qu'il est très court, mais on va s'arrêter là. Parce que j'ai pas franchement la force de continuer plus loin. Mais au moins, on aura fait au moins un épisode d'au moins 15 minutes. Ce qui n'est pas trop mal, je trouve. Je suis vraiment désolé, Jean. On se voit lundi. Je vous promets en forme. Sur ce, moi je vous laisse. Bye tout le monde.